bonjour à tous et merci d'être avec nous encore une fois comme ça chaque semaine sur ce canal Austral, bien entendu, ici même à Bassin-Labou où on va parler de musique. Dans cette émission Parole d'artiste, on va parler de musique de La Réunion et du Séga. On va parler un petit peu de slow aussi parce que c'est un petit peu en voie de disparition actuellement. Et ce soir, j'ai le plaisir d'avoir avec nous un groupe, on va dire, qui nous vient du nord de La Réunion, de Saint-Clotilde, Chaudron, Cité Cowboy, par exemple. Le groupe s'appelle Les Cocos Bleus et maintenant avec moi, Jack. Comment elle est, Jack? Bonjour, ça va? Ça va. Et puis après, Ménageau aussi avec moi. Oui, ça va, c'est bien. On va filer ensemble. Joe, plus connu sous votre nom, vrai nom, Leclerc. Cyril Leclerc. Mais tout le monde appelle Joe. Joe. Hein? Et Aou appelle Jack, bien sûr. Mais votre vrai nom, c'est Romignac. C'est ça, mettre bien le micro devant la bouche quand il corse, ouais, comme ça. Hein. Au moins comme ça, la pointe problème nous va bien entendre à nous jusqu'à tout à l'heure. Parce que nous, ça garde un petit coup, là, ça explique bonne de mon y regarde. Nous sommes cause créole, nous là, qui ça sont-ils, hein, parce que, elle a dit comme ça, quand ils sont au chaudron là-bas, ils chantent du rap, ils chantent des musiques urbaines, mais ils ne chantent pas que ça, ils chantent des slow, ah, ils chantent des slow, ils chantent Sega, reggae et tout ça. Reggae aussi, depuis, Sega aussi. Depuis quand ce groupe-là, les Cocos Bleus, il existe? On a à peu près un an. Mais bien le micro dans la bouche, comment il cause? Un an et demi, là, justement. Un an et demi? On aura un an et demi, là, bientôt. Et comment l'arrivée, ça? Là, comment je travaille avec nous du livre, après, ça l'a mis tout seul, quoi. À cause des Cocos Bleus, parce qu'ils ont donné la tête rasée, c'est sûr. Non, on l'est pas. Mais parce qu'ils ont donné les yeux bleus, non, c'est parce que. Non, on l'est pas ça. Ouais. C'est que quand nous, on était en train de jouer un morceau. Nous, on était en train de jouer un morceau à BPA, là-bas. Et comme dit Michel, ses oreilles, il est venu, il est passé à côté de nous, il a dit avec nous deux, il a dit, vous êtes des cocos. Des cocos bleus. Parce après, que la musique avec. Ça l'a resté, quoi. Ça l'a resté. Voilà. Et la musique, il y a longtemps, c'était fait ça. Bon, chacun de son côté, bien sûr. Il y a longtemps, il jouait, lui aussi, il y a longtemps, il jouait. Mais nous, là, concrétise à nous deux ans à peu près. Deux ans de cela. Dans notre petit groupe, quoi. Alors, dans le petit groupe, il n'y a rien que d'autres deux, bien d'autres mondes encore. Oui, il y a l'idée de continuer à monter, quoi. Il n'y a d'autres personnes encore. Là, pour l'instant, il n'y a rien que nous. Et moi, des fois, je fais un petit peu dans les orchestres, tout ça, là. Ouais, ouais. Et puis, finalement, il tourne comme ça, alors. Et puis, après, je suis emballé avec lui et nous jouer un petit peu ensemble. Après, nous suivons un petit peu le bon groupe à l'extérieur, quoi. Ça regardait comment ils jouent et des fois, nous sentons avec eux aussi. Ouais. Voilà, quand on a un groupe comme ça, les Cocos Bleus, eux deux, à la nénée, un orchestre avec eux, ou bien sinon, ils chantent un petit peu comme ça. Et puis après... Nous, ils chantent comme ça, comme on l'a fait là, mais il faut nous compléter ça, quoi. Ils ont un studio actuellement, ou bien ils ont fini de rentrer en studio, ou pas encore nous, du tout. Nous, on a un mini-studio, quoi. Un mini-studio pour l'instant. Pour l'instant. Et après, ils ont concrétisé tout ça. Voilà, un débutant, quoi. Un débutant. Voilà. D'accord. Bon, vous faites du slow, parce que tout à l'heure, ça fait un slow un petit instant. Explique-moi un petit peu, pourquoi tu as choisi de faire du slow, toi? Parce que tu es en perdition, ou bien sinon Jean-Pierre Boyer, tu es mort encore un petit peu? Non, parce que moi, j'inspire ça. Je la trouve bien et je la lance dedans, quoi. Ouais. On est parti dedans. On n'est pas trop Sega, non? Si, Sega aussi. Sega aussi, Mais on a encore d'autres morceaux derrière, mais ce sera pour après, quoi. Ouais. Mais essentiellement de slow. Essentiellement, aujourd'hui, il fait un slow, quoi. Ou un grand sentimental, ou? Les deux. Et qui c'est l'écrit le bon morceau, là, le bon slow? Moi-même, l'ai écrit. Il parle de l'amour dedans, le bon slow? Paris, qu'un slow, il faut toujours parler de l'amour dedans. Ça, c'est un slow. Religieux. Il parle la vie longtemps. Oui. Avant, la vie longtemps. N'était pas pareil la vie maintenant. La vie était plus facile. Mais dans ce slow-là, il précise à eux que la vie d'aujourd'hui n'est plus pareille. Qu'il y en a plein de jalousie. La jalousie. Le titre, c'est la jalousie. Ouais. Voilà, c'est pas ça, la sortie. Parce qu'avant, on avait moins de jalousie que maintenant, d'après vous. On avait moins de jalousie, la vie était plus facile. Mais peut-être qu'on avait la jalousie, mais t'es caché. T'es caché. T'es pas ouvert. Mais aujourd'hui, on a Facebook, on a toutes bonnes réseaux sociaux là, donc c'est pour ça que la jalousie, elle est un petit peu plus mise en avant. Elle est plus ouverte. Tu sais ce qui se passe, on voit, quoi. Elle est plus ouverte. Elle est pareille, ouais. Ça l'inspire. On a combien de temps l'écrit ce morceau-là? Il y a longtemps. Il y a pas longtemps, celle-là. Il y a 9 mois. 9 mois, on a écrit le morceau-là. Et bien voilà, elle vient d'accoucher le morceau-là. C'est la première fois qu'on chante, Allier. Mettre bien le micro dans sinon, on nous chante comme on est avec. En quelle occasion vous avez-vous chanté? Vous avez un endroit comme ça, vous avez-vous chanté ou bien? Moi, je pars à sa maison là-bas et puis
nous on fait le morceau, bah, c'est avec lui là-bas, sur son clavier. Nous... Voilà, parce que vous les musiciens aussi, hein? Non, mais pas musicien, moi. Ben, vous les claviers, là, dis-moi, les claviers. Non, le clavier, il joue, lui. Mais il joue un peu de buton comme ça, mais sinon, on n'est pas... Ouais. Mais il gagne jouer, quoi. Ouais. Ben, moi, tu peux prendre un clavier pour pouvoir... Écoute le bon morceau. Voilà. Les bons. Dans mode de mon morceau. Les bons. Et là, on n'aura pas de clavier parce que même si on prend une guitare, et là, ça accompagne. Hein, le petit hic dans cette guitare-là, c'est que guitare, il manque un fil. Et là, depuis tard, t'as le droit d'un fil pour gagner ma petite guitare, là, il trouve pas. Manana, mais elle est bien née en bas. On aurait pu tomber. Et ben, le temps, ça va, c'est que le titre là-bas pour amener un fil pour nous, et ben, la nuit, tu vas finir tomber. Et ben, moi, je vais quand même avec la guitare, avec cinq fils, elle n'est pas grave, hein, de toute façon. Ouais, on va faire avec, vous connaissez chez nous, c'est Canal Austral ici, là, hein. On a l'art de bien faire des choses qui, avec très peu de choses. Hein, comprends, hein, regarde tout l'autre côté là-bas, il fait la cuisine avec pas grand-chose, lui, des fois, hein. Ouais, et, j'ai oublié tomate. Si j'oublie tomate, c'est pas grave. Ah bon? Mets le micro bien. D'accord. Ah, où ça chantait là tout de suite là, là, hein? Moi, ça accompagne à où là, ce morceau, ce slow là, hein, qui s'appelle La Jalousie. La Jalousie, oui. La Jalousie. Les bons? Et ouais, nous, ça fait ce morceau, nous pousse la table, après nous revient après. Les bons? D'accord? Hein? Et Joe, où elle part, reste la même, attends à nous, nous revient dans un petit instant, on va revenir avec nous parce que après là, nous encore un petit peu plus avec vous là. Les bons? D'accord, d'accord. Les parties. Okay. Alors, Richard, s'il est, s'il est prêt, nous aussi, nous est prêt, nous ça va tout de suite. Les bons? Allez, à tout de suite. Oui. D'accord. Allez, à tout de suite. La vie n'est plus comme avant, mais surtout, tout a vraiment changé. La vie n'est plus comme avant, mais surtout, devient difficile. Impossible d'avancer dans la vie, dans la vie. Pourquoi jaloux ton prochain? Et tu penses qu'à toi toute seule? Et pourquoi tu as le mal de vie? Et de vivre dans la jalousie, 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 qui détruit toujours notre famille, jalousie, jalousie. Il détruit toujours notre coup. Jalousie, jalousie. Il détruit toujours notre vie. C'est pas comme ça que tu vas avancer. C'est pas comme ça que tu vas réussir. Change ton cœur, pense du bien. Arrête de détruire ton prochain. Change ton cœur, pense demain. Arrête de détruire ta vie, ta vie, ta vie. Donc nous on est encore là, on est de retour après cette chanson, ce slow, hein, un slow avec cinq fils à la guitare. Mais bon, c'est pas grave, Richard m'a dit c'est bon. Hein, c'est lui qui a réglé la guitare pour régler avec cinq fils. Hein. Maintenant, la prochaine fois, je vais jouer du cabos. Tu sais que bonne cabos, on a quatre fils, on a cinq fils. Hein, mais Richard, comme il sait bien jouer du cabos, là, bah, il y a trafic la guitare, on y a une cabos ici. Là. Tu connais cabos? Oui, cabos, c'est bien. Cabos ça. Malgache. Ah, la prochaine fois qu'on nous va, il nous aura un bon fil dessus. Ouais, mais c'est Roden pour faire une guitare parce que là, m'a joué qu'un cabos. Là, là. T'as rien, ça rejoue avec le cabos, moi, pour avec vous. Du moment où il sonne bien. Voilà, du moment où il sonne bien. La Jalousie. Ça, c'est le morceau qu'on vient chanter. Là, avec voilà, ça, hein. La Jalousie. Voilà, voilà. On en contacte comme ça.
Non, pour l'instant, on n'a rien, Ken. Nous allons revenir après. Hein? Dans l'autre partie de l'émission, un instant, nous allons revenir. Mais là, mais ça va un petit coup jaune, moi, là. Cyril. Oui. Cyril Leclerc. Hein? Ouais. Comment on dit comme ça, il voit bien clair. Non, mais il voit bien clair. Mon papa fait bien voir moi bien clair quand, ben, quand on était jeune, tout ça. Là, bon, c'est pour ça mettre lunettes sur la tête alors. Ben, aujourd'hui, je vais mettre lunettes sur la tête, fait voir moi un petit peu. Mais c'est pour ça qu'il dit, moi, il ne faut pas nous jalouser. Mettre le micro dans la bouche. Ouais, parce que si nous jalouser et l'autre, c'est ça qui n'est pas bon. Ouais, bouge pas la main comme ben, là. Il faut absolument nous avancer dans ce petit moyen là. Ouais. Bon Dieu, donne-nous ça. Mais nous avançons à nous là-dedans. Et bon. Et le chemin est plus grand. Et vous, pareil que Jacques, on a longtemps fait la musique ou bien Mais à moi, m'a toujours suivi la musique partout. Moi, ma petite maman, elle m'a suivi la musique partout. Je connais déjà toute la bonne technique, moi. Mais après, moi, elle a fait l'opération. Moi, elle a fait dialyse. Moi, elle a fait tospirose. Moi, elle a fait un cancer des yeux. Ah ouais. Et moi, elle a fait 3 à l'AVC. Ah ouais. Et elle ne marche plus, elle ne cause plus. Et là, on est reparti. Là, on est reparti. On est comme le phénix ou la renaissance. Voilà, là, il me dit, puisque Miro, ça va, c'est le bon Dieu, il fait que Miro, ça va. Bien alors, sûr. Si Miro, ça va, il fait un petit morceau. Ouais. Et voilà, on va mettre Gila Djanou. Ouais. Et, ben, et là, c'est un petit Sega que ça fait pour nous, mais il parle de Dieu dedans. Hein, c'est un petit Sega religieux, on va dire. C'est un petit Sega religieux, mais comme dit, il vient de moi avec le Seigneur lui-même. Ouais, ouais. Parce que là-dedans, s'il n'est pas libre pour nous faire avancer à nous, nous avancerons jamais. Et quand on était avant, on a eu toutes ces maladies, tous ces problèmes de santé, là, excusez-moi de poser la question, mais nous, tant que tu mais peut permettre à moi, où tu crois en Dieu avant? Oui, moi, tu crois en Dieu, mais... Moins que maintenant? Moins que maintenant, parce que quand on était dans les souffrances, quand on est dans la souffrance, dans l'hôpital, tout ça là, on est branché par ici, par là-bas, c'est là que... C'est là qu'on voit Dieu? Dieu, il voit au plus vite. Parce que quand on est dans le coma profond, là, il trappe à haut la main, il dit où vient, il prend, il amène à haut, où à la lumière au bout, là-bas, où suivre. Et bien, depuis moi, suivre ça, il me dit, mon Dieu, ben moi... Excusez-moi pour ça, est-ce que vous l'avez fait ce qu'Obana appelle ça un état de mort imminente, un EMI? Il appelle ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, et ben, où tu sens que tu n'es plus là et que tu viens trappe à haut. Moi, je n'étais plus là du tout, moi. Je ne connaissais plus du tout ce que m'était fait. Toutes les affaires, franchement, je ne comprenais plus du tout mon corps. Le micro dans la boue. Parce que moi, j'étais dans le profond coma, au fond, au fond. C'est pour ça, je me dis, on est dans quelqu'un, je me prends sa main. Et là, on a vu la lumière au bout. Ah bon? Et quand on a vu la lumière, c'est là que je me dis, mon Dieu, le oui existe vraiment. Mm-hmm. Parce que où tiens-moi dans la tospirose, où tiens-moi dans le cancer, où tiens-moi dans l'AVC, 3 à l'AVC, c'est pas n'importe quoi. Mm-hmm. Tu ne marches plus, tu ne causes plus, tu ne fais plus rien, moi. Et tout est venu comme ça. C'est le miracle. Et c'est pour ça que on a décidé de chanter Dieu. Et aujourd'hui, je chante Dieu parce que m'aime le bon Dieu. Le bon Dieu, il est là pour veiller notre tout. Et c'est nous les dans la jalousie. C'est ça qui n'est pas bon. Mm-hmm. Il faut nous vivre dans l'harmonie, la main dans la main, comme dit. Voisins, cousins, mais au moins nous vivons tranquilles. D'accord. Voilà. Alors, ben là, on la décide de chanter Dieu dans du Sega. Voilà, mais bon, il veut chanter Dieu dans le Sega et fait montrer à lui que nous sommes là. D'accord, les bons. Il appelle comment le morceau? La main, c'est Dignité. Dignité. Les bons, alors, ok. Alors, Jack, mais ça laisse un petit instant. Moi-même, ça reprend mon guitare 5 fils, en tout cas, mon cabosse. Hein? 5 fils, il me accompagne en Sega avec un guitare 5 fils. Les bons? D'accord. Hein? Okay. Mais Dieu va comprendre que même avec 5 fils, quand il arrive pour chanter Dieu, hein, il n'a pas besoin de compter le nombre de fils. Okay. Hein? Okay. C'est l'intention qui compte. Bien sûr. Les bons, alors, nous, ça va tout de suite, Richard. Dis-moi comme ça que tout est prêt là-bas. Hein? Après, nous reviens un petit instant pour faire une petite conclusion, nous trois ensemble. Les bons? Okay. Ok. Allez, les parties. Dieu l'a dit à nous, vive dans la dignité. D'ici la terre n'est n'a pompé et la jalousie. Si vous la réussi, si vous n'a un gros loto, tout le monde y rôde comment ou la fait. Quand il lève 4h du matin, donne mon dos au soleil pour moi gagner mon bon confort. Il voit pas quand il lève 4h du matin, donne mon dos au soleil pour moi gagner mon bon confort. C'est grâce à Dieu, si moi n'ai pas la force. C'est grâce à Dieu, si moi n'ai la santé. Nous est Dieu l'a dit à nous. Vivre dans la dignité, et si
la terre n'est pas mon père. Que la jalousie, si vous la réussissez, si vous n'avez un gros loto, tout le monde qui rôde comment vous la fait. Et moi, pas quand je lève 4h matin, donne mon dos au soleil pour moi gagner mon bon confort. Matin, donne mon dos au soleil pour moi gagner mon bon confort. C'est grâce à Dieu, si moi n'ai pas la force. C'est grâce à Dieu, si moi n'ai la santé. Bouger et le Dieu nous vive dans la dignité. Et si la terre n'est pas pompée la jalousie, si vous la réussissez, si vous n'avez gros loto, tout le monde garde vos yeux. Dieu la tient nous vivre dans la dignité. Vive dans la dignité, c'est la terre mon Dieu. Dieu la dit à nous, vive dans la dignité. Et si la terre est n'a bon père, la jalousie. Si vous la réussi, si vous n'a un gros loto, tout le monde y rôde comment ou la paix. Vois pas quand m'y lève 4h matin, donne mon dos au soleil pour moi gagner mon bon confort. Et vois pas quand m'y lève 4h matin, donne mon dos au soleil pour moi gagner mon bon confort. C'est grâce à Dieu, si moi n'ai pas la force. C'est grâce à Dieu, si moi n'ai la santé. Bouger. Dis à nous, vive dans la dignité. Et si la terre n'est pas pompée, la jalousie, si on la réussit, si on a un gros loto, tout le monde y rôde comment ou la fait. Et vois pas quand il lève 4h matin, donne mon dos au soleil pour moi gagner mon bon confort. Les vois pas quand m'y lève 4h matin, donne mon dos au soleil pour moi gagner mon bon confort. C'est grâce à Dieu, si moi n'ai pas la force. C'est grâce à Dieu, c'est grâce à Dieu. On est encore là, on est toujours là avec Jack, avec Joe qui viennent chanter ce morceau qui s'appelle Dignité. Mettez bien le micro devant la bouche. Dignité, hein, dignité. Qu'on écrit ce morceau là, hein, dignité. C'est une dignité envers quoi ? Vers Dieu ou bien ? Si me dit ça, moi, c'est comme elle a écrit ça, en pleurant, comme elle a écrit ça. Ouais. Pourtant, elle n'est pas grand-chose, c'est comme elle a écrit. Mais la danse, c'est la manière de chanter, la manière de prononcer. Mm-hmm. Et ben, depuis qu'elle a écrit ça, elle me sent moins mieux. Ouais. Dans mon corps. Et vous pensez aller dans d'autres morceaux et de rester moi, non, dans le religieux comme ça? Non, pas que dans le religieux. Moi, il veut faire le reggae, il veut faire des séquences plus rythmées, des plus. Il y en a déjà. D'accord. Il y en a déjà. Mais il faut absolument après. Voilà. Ça en après. Tout cas, qu'on va faire ce reggae et là, ou bien d'autres Sega, ou appelle à nous, ou viens, chante un petit coup avec nous. Ok, les bons problèmes. D'accord. On a Jack aussi, qui est avec nous là tout à l'heure. Moi, disons, comme ça, Jack, c'était quoi? Tu as venu là, que ça veut faire en plus là, hein, le domaine comme ça, ou comment ça écrit d'autres morceaux aussi? Ouais, mais il y en a d'autres morceaux, il est déjà écrit. Ah, oui. Mais c'est lui qui l'a aidé, justement. Ramène-moi dans la musique. C'est Joe quoi. Ah ouais. Et c'est là nous avons débuté ensemble. Là on a déjà deux morceaux écrits, on a un zouk et un reggae. Ah ouais. Donc ce sera pour la prochaine fois. Mais bon, ce sera pour la prochaine fois. Alors ok. Voilà. Alors ok. Et quand est-ce que vous avez fait un featuring ensemble? Parce que vous avez deux se forment un groupe qui appelle les Cocos Bleus. Oui. Hein, et les Cocos Bleus, ben il faudrait bien qu'un jour ou l'autre vous arrivez à chanter ensemble. Bientôt, c'est-à-dire les Cocos Bleus. Donc comme on l'avait dit à vous, ils viennent commencer donc. Plus tard, il faut nous rôder des musiciens, nous rôder un bassiste, nous rôder. Non, mais pour l'instant, ça pour plus tard. Hein. Nous chantons une morceau ensemble. D'accord. Et après, là. Plus tard, nous voir et que ça nous peut mettre dedans encore. D'accord, quoi. Alors. Bah, très bien, alors. Le groupe, quoi. Mais bon. En tout cas, comme disait un dicton ici à La Réunion, si bon Dieu n'a pitié, de toute façon, tout y arrive, non?
Ça, elle est sûre. Ça, elle est sûre parce que pour moi, elle était sûre. D'accord. Elle était vraie et elle l'a fait vraiment. Alors, ok. Elle est bonne. Il peut faire aussi pour, il peut faire pour n'importe qui. Mais ça, il suffit, comme dit, nous lève la tête en l'air, Seigneur. Ouais. Faut donner le courage, nous prend. Hein? Ben, n'a pas trop entendu parce que le micro était loin, mais. Prends le courage. Nous prend le courage. Nous prend le courage. Parce que le bon Dieu est là pour donner à nous. Lui. Parce que si vous n'avez pas grand matin pour aller bosser sur le terrain, pour faire un bon truc là-bas, Nessia y avancera pas. Les bons. Hein? D'accord. Les comme ça. Les bons, les bons. Hein? Jack, un petit mot pour la fin. Bon, un petit remerciement pour quelques personnes. Ben, nous remercions Canal Austral et Coin des Doigts accueillir nous. Et puis, ben, un petit big up pour Canal Austral. Les bons. Un petit bonjour pour tous ceux qui écoutent à nous. Et puis pour la famille, quoi. D'accord, alors. Collègues et tout, quoi. Les bons, voilà. Ok. Alors, Joe, hein, aussi. Ah, moi aussi, pareil. Ben, moi, je suis content, mais chacun un petit coup avec vous parce que vous, les cinq gars, vous êtes vraiment super. Et j'espère que vous allez mettre nous encore mieux en l'air parce que nous, l'a besoin. Nous, veut faire voir les autres que, ou de chemin que vous la rouvrez. Okay. Et ben, il faut y avancer encore. C'est bien. Il est bon. Et ben, moi, je vais vous mettre ensemble. Gros big up, comme dit. Pour Canada. Voilà, un gros big up pour Jean-Claude. Allez, bon, alors, merci beaucoup. Après, Joe, oui. Après, j'aime bien ce que vous faites parce que vous êtes beaucoup d'artistes, quoi. Ouais, ouais. C'est un grand plaisir pour nous, quoi. D'accord, alors. En tout cas, on aura encore l'occasion de venir. Voilà. Allez, bon. Hein? Ouais, merci okay. beaucoup. Nous nous remercions. Vous l'avez Joe avec nous, l'avez Jack avec nous, les autres deux formes, les Cocos Bleus, un groupe voilà. De Saint-Denis, de Saint-Cloutier exactement, hein, et que nous aurons l'occasion de revoir sur Canal Austral prochainement. Hein. En tout cas, change pas, reste comme vous voulez, Joe. Hein? Et reste comme ça, reste parce que bon Dieu l'important. Et puis après, il faut que tout le temps nous arrive à prier et à lire, que ce soit en chantant, en dansant, en récitant, n'importe comment. Hein, il faut. Si pour chanter dans d'autres manières, mais il pourrait chanter aussi oui, oui. pour la parole de Dieu. Parce que, donc franchement, quand on est dans les super, c'est là qu'on trouve vraiment la forme de notre corps, la forme de notre cerveau, dans les mains, tout ça. Moi, pour moi, on est comme ça. Moi, d'accord. Il reste zen. Et bon. Il n'aime pas bouger dans tous les sens, mais zen. Et bon, zen. Et jeune aussi voilà. en même temps. Jeune, oui. Merci Jacques. Ouais. Ouais, merci. Allez, bon, allez, nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Paroles d'artistes sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine.